Télépathe, bienvenue pour la petite boutique sur Fortnite. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne journée et une bonne soirée peut-être aussi. Moi, ouais, ça va, je suis un peu fatigué parce que c'est vrai que j'ai eu un petit mal de crâne tout à l'heure, une baisse de tension, mais bon, ça c'est pas grave. Puisque surtout j'étais contente de pouvoir enfin jouer à Mirage. J'ai fait deux petits lives aujourd'hui avant de faire la boutique actuellement. Je viens juste de terminer le live pour l'instant. Du coup, dites-moi pour ceux qui ont déjà joué ou qui ont vu quelques extraits ou gameplay, votre avis en commentaire sur mes lives, bien sûr, pas sur la vidéo boutique de Fortnite. Mais nous, du coup, on est parti pour la boutique, voir ce qu'il y a de beau. Alors, généralement, quand il y a un petit logo jaune là-haut, c'est souvent parce qu'il y a un nouveau skin, ou un nouvel dance, ou un pack, ou quelque chose de ce genre. Donc, on va voir ce qu'il y a de beau. Ok. Ah oui, ce skin-là. C'est vrai, j'avais vu qu'elle allait sortir. Je pensais pas qu'elle allait mettre aujourd'hui, mais. Ok, donc là du coup là le petit pack passera, donc je savais qu'elle allait sortir le skin. Après c'est pas trop mon style parce que elle est un peu trop rose à mon goût. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui vont peut-être aimer genre de style. Merde, j'ai même pas parlé de ce style là. Ouais. Ok, ça va, en vrai c'est un skin Halloween hein. C'est dans le thème au moins. Après je sais pas si vous aimez ou pas les gars. Genre le skin, dites-moi en commentaire. Bon, ce cadeau va pas avec, mais vous avez compris. Donc, le skin coûte 1200 V-Bucks, la pioche 800 et leur vêtement 300 V-Bucks. C'est dommage, sur le pack, ils ont pas mis un petit écran chargement. Il y en a beaucoup qui aiment bien avoir ça en plus. Bon, est-ce que vous aimez ou pas le skin du coup? Voilà. Bon, moi, personnellement, si elle était d'une autre couleur, je l'aurais pris. Mais c'est vrai que rose, ou un rose comme ça, je suis pas fan. Ah, la team pizza, les gars. Et ouais, la team pizza, on est là, hein. Moi bien sûr, hein, j'ai tout ensemble parce que je suis la team pizza les gars. Oh, ouais. Vive le tomate! Surtout la pizza. La pizza. Bref, le petit planeur et les petites pioches séparément. 1500 V-Bucks, le skin roi tomate. On a dû l'appeler comme ça. La petite pioche qui va avec lui. La petite madame tomate qui du coup est sa fille je pense parce que du coup pour ceux qui savent pas, il y a aussi déjà une madame tomate. Pour ceux qui étaient là à l'époque chapitre 1, dans le pass de combat de la saison 6 chapitre 1, il avait déjà un skin tomate féminin. Alors peut-être que c'est une arrière-tante, peut-être une tante, mais je pense que c'est plutôt sa fille. Elle a l'air jeune par rapport à monsieur tomate. On a également la petite autocollette, le planeur et bien sûr les modes pour 200 V-Bucks. Ensuite également la team burger. Bon, évidemment, est-ce que vous me savez, j'ai gardé du pack parce que bon, ça on me l'a offert les gars, c'est pas moi qui l'ai acheté, j'ai jamais joué avec parce que c'est une amie d'un ami qui l'avait offert. Il a voulu offrir plein de monde, plein de trucs, mais bon, moi c'est pas le genre de pioche que je joue, donc j'ai jamais joué avec. Moi, je suis pour la team pizza les gars. Bon voilà, ça c'est pour les team burger. Donc 1500 V-Bucks, 800, 500 et 1200 V-Bucks. On a du coup le retour des petits skins réchappés de l'industrie. L'artistu, voilà, j'avais même pas parlé. J'avais même plus à parler, les gars. 800 V-Bucks, la renéguette pour également 800. Le petit planeur du chapitre 1, saison 1 carrément. C'est pas dire, il n'y a pas beaucoup de planeurs de cette époque là. Les gens jouent encore. L'immeuble sorti hier pour la santé. Ensuite, vraiment, j'ai mis la victoire pour 500 V-Bucks. Ensuite, nous avons clap clap. Ensuite, nous avons toujours disponible les fêtons, les femmes, gratuit toujours. Les deux petits skins qui sont encore là en boutique. Bon, après ça, c'est les mêmes depuis quelques jours, puisque c'est du coup c'est rapport aux fêtes de femmes. Du coup, voilà. Et là, maintenant, on est dans le côté cauchemar. Tous les retours des skins Halloween qu'on connaissait déjà, qui reviennent bien sûr en boutique, logique, sont là depuis quelques jours. Certains d'entre eux, on a bien sûr pareil, le petit Colette. Les deux petits skins là, le petit casier là, qui du coup est aussi un skin d'Halloween. Les Feubelas version hiver, hiver-automne on va dire, avec leur ensemble. Le pack de niveau qui est disponible
jusqu'à la fin de saison pour ceux qui aiment le skin ou qui veulent rusher leur passe de combat ou ceux qui veulent avoir le skin gratuit que je possède actuellement. Si vous voulez monter 50 niveaux, et c'est tout le monde veut le voir. Si vous voulez l'avoir rapidement, vous pouvez toujours prendre ce petit pack. Si vous aimez le skin en question, il vous donne 28 niveaux. C'est toujours gagnant, j'ai envie de te dire. Bien sûr, le club de Fortnite de ce mois-ci, je vous rappelle, j'ai fait une petite vidéo pour montrer comment avoir tous les customs. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, allez la voir si vous vous demandez comment faire pour avoir chaque custom chaque mois, etc. Ensuite, ah, on a remis, ils ont remis le petit pack là. Bon, celui-là était disponible hier, mais celui-là, du coup, il est de retour en boutique, le pack jugement ultime. Alors là, il contient du coup deux skins garçons et un skin fille. Donc peut-être qu'ils vont mettre les autres aussi. Apparemment, tu as la version de celui-ci, mais le contraire, où tu as deux skins filles et un garçon. En gros, c'est le jeu là par exemple, il existe en version féminin. Celui-là en masculin aussi, et celui-là aussi en féminin. Donc voilà, ouais, c'est le contraire, mais version autre, vous avez compris quoi. Donc il contient quoi pour ceux qui veulent le pack? Vous avez du coup ce skin là, qui a deux customs. Fantouche, moi j'aime bien, je trouve qu'il est sympa. Il est assez original comme skin. On est dans le thème Halloween, j'ai rien à te dire. En avant celui-là, vu là, t'as un peu plus. Voilà, passe-partout. Tu peux utiliser autant qu'Halloween comme en Halloween quoi. Et celui-là, le skin Fenêtre, qui lui par contre fait plus Halloween quand même, mais tu peux utiliser à toute saison hein, en soi, mais voilà. Quand même, voilà. Le petit, du coup, sac à dos qui va avec chaque skin. Les grandes ailes, c'est vrai qu'il est vachement grand les ailes. Hein. C'est vrai qu'Epic Games fait vraiment. Et du coup, le petit sac à dos que je trouve toujours un peu marrant. Voilà. Franchement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous aimez ou vous aimez pas. Ce pack là, c'est sur chaque fois qu'il y a. Qui est Halloween, comme ce pack là, qui était ici, etc. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à demain pour de prochaines vidéos et pour ce live. Et à tout à l'heure pour la suite avec Mirage et Odyssée. Je vais live juste au petit matin comme d'habitude. Mais c'est éveillé, pas de live trop tard aujourd'hui, parce que j'ai des courses à faire dans la journée. Donc faut pas que je me lève trop tard, bref. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des lives continuellement depuis plusieurs jours. Je vais live sur deux jeux différents cette fois-ci. Enfin, quand je dis différents. Oui, c'est deux jeux qui parlent le même jeu, mais c'est du même style, donc on va rester dans Assassin. Et il y aura aussi les lives sur Halloween, enfin pour Halloween du moins, sur Fortnite. Je vous le dis à chaque fois parce que pour ceux qui n'étaient pas là sur les lives précédents ou que vous n'ont pas vu la vidéo boutique de... Bref, où je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il faut le dire à chaque fois. Donc la semaine prochaine, le week-end prochain, si rien ne change, peut-être même ce week-end, il y aura peut-être un petit live peut-être. Mais surtout la semaine prochaine. Voilà, je vous le redirai au moment venu de toute façon. Sur ce, à tout à l'heure ou à demain. Tchuss!